Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une ranked et on va jouer Bakune, on va jouer face à Lex, Victor, Rukus, Genos et Fernando. Donc beaucoup de dégâts, faudra qu'on fasse attention. Et on est sur Dôme Glacé, on est sur une map que j'ai pas mal joué en ce moment, Buck, sur cette map. C'est principalement lui que je joue en général sur cette map, je joue pas trop Grover. Ash, bon bah généralement elle est pique par quelqu'un et j'arrive pas à la jouer en flank, même si je pense que c'est largement viable. On a 0 cote. Donc forget. Let's go. Let the battle begin. En général, les gens vont fight à gauche. Donc moi, je vais dans le petit couloir ici et je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Je reste ou pas. Je dégage. J'ai décidé de dégager. Il est très très low, Lex low. Bien joué, il l'a tué. Bien joué, bien joué, il l'a tué. Donc c'est pas grave si je meurs. Putain, c'est ouf la cadence de tir de ce personnage quand même. Mais bon, il est mort une seconde après. On a quand même, prend quand même cher. C'est Lex contre Buck qui sont morts. C'est tout pour le moment. On réussit à tuer le Victor. On a tué donc les deux DPS. Par le Makoa. Makoa a une initiative de fight qui est hallucinante, je trouve. C'est le game pour moi. Il fait vraiment le café. Il est sur les bons focus tout le temps. C'était pas trop mal ce qu'on a fait. En plus, il y a le shield de H qui va nous protéger. Faut que H tienne. Il a la place de H, c'est à cause de nous qui meurt d'une certaine manière. On a pris le point, mais il faut peut-être le push à un moment. Ah, il y a. Il n'y a pas eu de grave en attendant. Pas mal, c'est comme ça qu'on est tranquille. Il est parti, le Lex. Outplay là, mon gars, tu as été outplay. J'ai mis un petit peu de temps à te buter, mais j'ai réussi. C'est important. J'ai réussi à me heal. Allez, j'aurais mieux fait m'abstenir de parler et me concentrer sur mon propre jeu à moi. J'ai gros. Peut-être le tuer. Oh, il manque tellement peu H. Dommage. Je peux le tuer. What the fuck? 9, 8, 7, 6, 5. Oh, ils vont pouvoir push. Ils ont deux mecs. Il y a deux mecs sur moi. Ils ont juste une personne à tuer. C'est bon. C'est pas passé. Une personne à tuer, les gars. Oh, c'est pas passé. Putain. Ça se joue tellement à rien. Il reste un centimètre à faire.
ça va pas passer. Si, ça passe pas, ça passe pas. Oh, ils ont failli commettre une erreur qu'ils auraient, ils auraient pas. Oh, je sais pas si j'aurais dû ulti. Dommage, j'aurais pas dû ulti. My bad. My bad, sorry. My bad, sorry. Ah, il manquait tellement pas. Mais comment ils ont fait pour temporiser? Comment ils ont fait pour temporiser? Parce qu'ils ont fait 2 kills et moi j'avais 2 mecs sur moi. Comment ils ont fait pour pas réussir à push? I get knuck par Victor, sorry. J'aimerais bien être une petite souris et voir ce qui s'est passé sur cette action. Parce qu'il restait plus qu'une personne vivant en face. Et je sais pas qui c'était. 5, 4, 3. 2, 1. Allez, go. Bon, ça reste un bon rune qu'on a fait, même si ça aurait pu être mieux et on aurait peut-être pas dû utiliser l'ulti ou pas. Faut attaquer, faut aller sur le point. À peu près où est Lex, il est pas très loin. Désolé, je suis concentré sur la guerre. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'arrivent pas à avancer. Je vais écrire après. We are better of them, but you need, we need to lead more and play more together. Allez, let's go. We are better. Choice. Side. Stop.
go mid. Point spawning in 15 seconds. All go left, please. Ça va mieux se passer si on choisit un côté et qu'on y va tous ensemble, parce qu'en fait on se fait attaquer de tous les côtés. En fait, il y en a deux qui passent à gauche, deux qui passent à droite, et là ça devient n'importe quoi. Alors que si on est tous soudés et qu'on va au même endroit, vous allez voir, ça risque de beaucoup mieux se passer et risque de voir. Alors ça, par contre, c'était pas bizarre. Ça, je pense, quoique non, parce que les tanks se sont fait dessouder sans claquer leurs ultis, je pense, c'est ça. Putain, mais pourquoi vous utilisez pas vos ultis, les gars? C'est normal aussi qu'on galère à gagner si vous les utilisez pas. C'est comme ça qu'on la gagnera, c'est en ayant... Il faut lead, il faut toujours lead un minimum, parce que vous voyez que, en fait, une équipe qui sait qu'ils sont plus forts, ils savent, mon équipe, qu'on est plus fort qu'eux au niveau skill individuel. Mais sans organisation, faut pas oublier qu'on est dans un jeu où il faut un minimum d'organisation. Hein. Mais pourquoi je recharge? Je suis pas censé récupérer des munitions, hein, quand je... Hein? Je suis pas censé récupérer des munitions? Oh, mais je suis avec pas du tout mon deck habituel! Je suis avec le deck tir au filet de base du jeu. Ça passe. Oh là là! Je suis avec ma deck tir au filet, putain. Je suis pas avec mon deck récupération. Je sais qu'il y en a qui ont compris et pendant toute la vidéo ils se sont dit non mais Iker, non Iker, tu t'es pas rendu compte. Mais c'est pour ça que tu penses que ton heal c'est de la merde. C'est parce que tu es pas sur la légendaire normale. En fait c'est ça qui s'est passé, c'est qu'ils sont pris un combo de Victor dans les dents et qu'ils l'ont pas du tout vu venir. Non. Et bon, on s'en sort bien malgré un... Oh là là, tir au filet. Vous achetez 30% de dégâts supplémentaires à cible ralentie. Le saut de bond héroïque augmenté de 10%. Le tir fa augmente de vitesse de 30%. Le tir au filet diminue réduit le temps actif de 30%. Vous qui récupérez 150 chaque PV pour chaque champion touché par pont héroïque. GG wellplay. Bah n'hésitez pas à utiliser ce deck, hein. Si vous avez du mal à gagner, vous voyez que ça a marché, donc n'hésitez pas à utiliser ce deck de merde, mais voilà, mais non ça gagne, et toujours lead un petit peu, parce que vous voyez, il fallait lead, et il fallait lead, un petit peu, parce que ne jamais croire, enfin les mecs, c'est marrant parce que ils ont parlé, Makoa il était là, mais on a tous nos ultis, c'est bon, oui mais il faut quand même, regardez, les mecs, come on guys, mais come on guys, ça sert à rien. We are better, but we don't let them fall. Enjoy the sight and go together. Stop go mid. 4 tirs, un mode 5 ulti. Easy. C'est pas si easy que ça. Hein.
C'est pas si easy que ça, parce que bah tu l'as pas utilisé ton ulti, t'es mort avant, H aussi. Donc c'était pas si easy que ça, même la troisième manche, quand il y avait deux partout, ils sont morts, Makoa et H, sans claquer leurs ultis. Et ça, je vous le dis, hein, c'est une erreur gravissime avec H et Makoa de ne pas ulti avant de mourir. Parce qu'en fait, bon après c'est bien aussi de les garder tous les deux ensemble parce que ça rend après d'un seul coup très très fort. Mais en fait ce qu'on a du mal à faire en solo queue c'est se regrouper. Hein. C'est arriver à retenter une attaque après cette festompe. Il y a des gens qui s'avancent un petit peu trop et puis voilà. Mais donc moi ce que je vous dis c'est d'utiliser votre outil. Ah c'est marrant c'est un deck coup d'épaule alors que... Il joue cette légendaire-là. Bah, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo sur Buck tir au filet. Bien évidemment, une nouvelle utilisation de Buck que je vais garder. Hashtag pas du tout. Non, je préfère récupération. Je trouve ça 1000 fois plus fort, même contre des persos. D'ailleurs, j'ai regardé un pro player jouer. Je sais plus si c'est Z1. Il joue Buck récupération, même à 3000 d'élo hein, et en ranked. Donc, il le joue tous. Ça joue que comme ça, Buck, en fait. C'est tellement fort. Bah, en fait, ils ont découvert, quand il y avait eu cette nouvelle légendaire, j'ai dit, tout le monde était là, ouais, on va jouer Bug bon héroïque. Et moi, je disais, bah non, moi, je trouve que la légendaire récupération, elle est pétée. 3 semaines plus tard, les qualifieurs, il y a les qualifieurs, il y a la LAN. Et là, les mecs se mettent à jouer Buck Récupération, j'étais plié de rire. Moi, ça fait un mois que je fais Buck Récupération. Je trouve que ça, c'est n'importe quoi. Et bah, c'est marrant. C'est marrant. Et puis il y avait Zoc qui m'avait dit ah, tu préfères pas bon héroïque et tout. Bon héroïque, c'était pété, ça fait 600 de dégâts. Nanana. Ouais, je fais pas bah, non, moi je préfère le heal et tout. J'arrive pas à jouer bon héroïque correctement. Et finalement, bah, maintenant tout le monde joue récupération. C'est marrant. C'est un peu comme H. Je suis content. Il y a quand même 2-3 trucs que j'arrive à sentir. H, maintenant, permapic. Je l'avais senti. Et puis, bah, Buck aussi. Buck aussi. Voilà. Et. Voilà. C'est des persos que j'aurais trouvé. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao!